Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'année 2010 de On s'en parle. Alors, au nom de ces communautaires Abitibi-Ouest et de Radium Multimédia et en mon nom personnel, laissez-moi vous souhaiter une très, très bonne année 2010 et le seul souhait à exprimer à l'aube de cette nouvelle année, bien, c'est la santé pour tout le monde. C'est à peu près le seul souhait que l'on peut faire. Alors, passez une très, très bonne et heureuse année 2010. En décembre dernier, je le recevais, il venait nous présenter ses deux livres. Alors, c'était la première émission de décembre 2009. C'était les livres « Les portes du silence » et « Le labyrinthe de l'enfer ». Alors, le temps nous avait vraiment manqué. On avait beaucoup de questions à lui poser. Et ce sont des questions qui sont restées sans réponse. Alors, il nous revient à l'aube de cette nouvelle année, mesdames et messieurs, de Rouyn-Noranda, Thierry. Salut. Bonjour. Thierry. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Thierry, moi, si je vous demandais tout bonnement comme ça, c'est parce que dans la première émission, je me souviens très bien que vous m'aviez demandé un petit temps d'antenne pour demander pardon aux personnes que vous avez fait, à qui vous avez fait de la peine dans votre vie. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à qui vous avez fait de la peine? Oh, il doit y en avoir pas mal. C'est causé du tort. Oui, il y en a sûrement. Disons que c'est pas toujours évident à tout retracer, là, un passé où ce que, il y avait beaucoup de consommation psychotrope de la boisson. C'est sûr qu'il y a bien des affaires qui auraient faites où ce que, à un moment donné, il n'y a pas de quoi être fier. J'ai blessé des gens, ça c'est certain. J'ai été, j'étais pas parfait, tu sais, j'étais comme, moi, en quelque part, dans mes aventures, là, d'éducation, puis tout, je me suis fermé complètement, j'ai déplugué mes sentiments, puis je me suis, avec l'expérience, là, que j'ai acquis de l'extérieur de moi, je me suis construit une personnalité de névrosée, tu sais, où ce que j'étais pas capable vraiment toucher à ce que je ressentais, alors, c'est bien sûr que pour me faire aimer, là, j'ai fait toutes sortes de singeries sur la planète, que, il n'y a pas tout le temps de quoi être fier. T'sais. Quand on a terminé l'émission du mois de décembre, on avait juste effleuré le sujet du silence. J'avais dit, on va le garder pour la prochaine émission. Parce que quand on lit dans vos livres, vraiment, Les portes du silence, c'est un titre révélateur, beaucoup. Ouais. Le plus difficile en prison, vous dites, c'est le silence. Le silence, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup affecté, mais c'est comme aussi le manque d'amour, le manque d'opportunité à t'exprimer, à vivre ta vie, à avoir de l'espoir, tu sais, parce que même si t'es en prison, là, écoute, il y a des gens qui sont peut-être plus... qui en ont plus épais là, sur leurs sentiments que d'autres, une énergie qui empêche de ressentir, puis qui sont prêtes à faire pire que d'autres. Mais seulement que quand on regarde le fond de l'être humain a besoin d'amour. Tu sais, en venant au monde, on a besoin d'amour, on a besoin que nos parents nous donnent l'amour. Exactement. Quand tu t'en ramasses d'un endroit de même où il n'y a pas de possibilité d'amour, où il n'y a pas de possibilité de la liberté, d'expression, mais c'est bien sûr qu'en quelque part, puis aussi quand tu t'es, comme je disais au début, quand tu t'es déplugué tes émotions, la plupart c'est ça, pour te construire une personnalité névrosée, puis t'es pas capable de ressentir vraiment. Ça fait que toutes les informations que t'as, comme t'as un registre, ça fait mal, mais tu sais pas comment te défendre parce que tes émotions sont pas connectées. Ça se fait que c'est bien sûr que tu sais, faudrait que tu me rediriges un peu, là, c'est la question, parce que je me tombe dedans. C'est le silence. Oui, le silence en prison, c'est ce qui est le plus. Moi, plus ça grave, m'a beaucoup affecté, oui. Moi. Parce que j'ai été dans des situations où ce que tu sais l'image que tu te mets la barrière très très haute devant toi pour bien paraître, tu sais. Puis là, mais c'est sûr que tu te trouves à te renfermer. Moi en tout cas, je me suis renfermé sur moi-même pour pas me dévoiler, tu sais. Okay. C'est un peu ça le silence qui se passe là. Il y a aussi dans ces années-là où ce que quand on allait au trou, on n'avait pas le droit de parler.
Fait que si tu parlais aux gardes, t'étais un mal vu par les détenus, puis si tu parlais aux détenus, tu poignais du trou de plus pour pas. Ça se fait que là, tu sais, quand t'as 16, 17 ans, 18 ans, puis t'es renfermé longtemps dans des situations de même, mais c'est bien sûr que tu vis dans l'imaginaire. Oui, exactement. T'aurais aimé ça, avoir une présence qui parlait, un peu d'amour, une compagnie. T'aurais aimé ça pouvoir libérer, tu sais, pour avoir une blonde comme tes autres petits copains dans la rue. Ça se fait que c'est. Oui, c'est le silence, mais c'est tout ça aussi qui fait que. C'est un mur qu'il y a devant. C'est un mur, puis. Comme vous dites, c'était débranché, puis on ne pouvait pas, vous ne vouliez pas non plus extérioriser vos sentiments, c'était renfermé, puis c'est un petit on peu le ça. On ne voit pas là, quand on est dedans. Aujourd'hui, là, à l'âge que je suis rendu là, je commence à voir ça, je commence à me mais dans respecter. Ce temps-là, vous ne voulez pas ça. Je ne comprends rien là-dedans. <tu sais>. Thierry, est-ce qu'on peut dire que la prison, c'est une école? L'école du crime? Disons qu'il y a des cours de d'autres choses. Mais OK, il y a des cours, mais les cours qui ne sont pas annoncés, ça peut être ouais. L'école du crime. Ben, disons que tu développes un sentiment d'appartenance okay. au milieu marginal. C'est bien sûr, tu te fais des amis. C'est un peu des amis qui vont glisser vers le marché noir, vers la délinquance. Ça se fait que c'est bien sûr quand on regarde tous les aspects, quand que le monde va jaser la conversation, vont parler des crimes qu'ils ont faits, l'orgueil d'un détenu peut être « moi, j'ai fait tel crime, je suis fier de tout ça mm-hmm. », puis l'autre est bien vu parce que « wow, lui, il a fait toute une affaire », parce qu'ils sont en réaction contre la société aussi quand tu te ramasses là. Hein. Ça se fait que, en quelque part, c'est bien sûr que... Il y a beaucoup de situations où la situation en elle-même va développer pas mal, au lieu de développer de la réhabilitation, on a beaucoup de tendance à développer un espèce de groupe qui va se réunir puis qui va être déjà révolté par l'encontre okay. de la société. C'est un peu ça l'école donc, du crime. Donc, en fin de compte, la prison, c'est un peu l'école du crime, mais on fournit pas les livres. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. On essaye de s'améliorer, okay. c'est sûr. On a fait du chemin, mais il en reste beaucoup à faire. Thierry, on va aller là, dans un sujet beaucoup plus difficile. Et je vous laisse très libre, je dis bien très libre, de répondre. Si vous ne voulez pas répondre, on va bien comprendre aussi. Si vous voulez répondre, vous êtes le bienvenu. Je vous laisse très libre parce que c'est un sujet qui est difficile. On va parler de sexe en prison. Ouais. C'est quoi le sexe en prison? Parce qu'il n'y a pas une fille de chez Paris qui va voir à tous les soirs. C'est là, hein? Bien rare qu'un garde-fille avec des beaux yeux bleus, des cheveux blonds, qui t'amène à ta porte. Mais c'est quoi? Ben écoute, c'est ça, hein? C'est que ça développe avec une espèce de manque d'amour, hein? Un manque de sexualité, un manque de contact humain. Et puis à un moment donné, ben c'est une prison des filles, je ne sais pas, j'imagine que ça peut être pareil. La prison des gars, c'est tous des gars ensemble. C'est ça. Ça se fait qu'effectivement, il y a une espèce de tendance à un niveau d'homosexualité qui peut se développer, là, tu sais. Et puis c'est sûr que c'est, mettons, un petit gars un petit peu efféminé, avec les cheveux blonds, les yeux bleus, qui va venir te dire des beaux rétèmes. Tabarnouche, tu vas réfléchir en tabarnouche quand ça fait 3-4 ans que tu n'as pas eu de contact humain, là, tu manques de sexe. Là. Fait que des fois, oui, c'est une place où ce qu'on peut. Ce que pas tout le monde. Non. Bien. Il y en a bien qui vont s'en passer des années de temps. Mais beaucoup de gens ont tendance à utiliser le moyen de l'homosexualité pour satisfaire leurs besoins sexuels. Mm-hmm. Tu sais. Mais c'est pas généralisé. Non, puis ça n'en fait pas nécessairement des gens qui vont être homosexuels non. à l'extérieur. Non, on s'entend bien là-dessus. Un extrait de votre livre qui... Les détenus ne sont pas plus méchants que les autres. Ils ont tout simplement manqué d'opportunités et de chance. Ça, moi, j'ai aimé ça dans votre livre, ce petit bout de phrase-là. Ça, c'est pas un peu pour démontrer un petit peu un côté humain, hein? Mm-hmm. C'est pour aussi appuyer les gens qui veulent développer un peu l'humanisation dans les prisons. Mais effectivement, en quelque part... moi, si je me rapporte à moi, quand je parle du silence, bien, quand que
quand que je me suis ramassé dans ces endroits-là, j'ai développé une fermeture totale, un blackout total. J'étais plus capable de m'exprimer, j'étais plus capable de jaser, j'étais plus d'appartenance, de sentiment d'appartenance. J'étais traumatisé. C'était le vide. Bien raide. J'étais névrosé au dernier degré. Okay. Ça se fait que c'est bien sûr que moi, je crois que il y a beaucoup de gens qui se ramassent là qui ont par l'éducation un petit peu névrotique, on ne faudra pas trop chanter, là. Mm-hmm. Si on regarde l'éducation de la planète, là, t'es pas correct, puis t'es pas fin, puis t'es pas bon, il y en a en masse dans l'éducation, des rejets, des... Fait que là, quand toi, t'es habité plus de ça que d'amour, mais souvent, là, tu vas devenir un petit peu dans le sens névrosé. Puis là, mais comme je disais tout à l'heure, tu déploques tes émotions, puis là, c'est pour te faire aimer. Ça fait que si tu tombes dans le groupe qui est à l'encontre de la société, mais c'est bien sûr que tu vas glisser, tu vas faire des crimes, tu vas te rembourser en prison. Ça fait-tu de ça un méchant ou si ça fait un blessé? Moi, j'ai tendance à dire que, écoute, il y en a peut-être bien, là, qui ont, ils ont comme je dis, bien très épais, puis que la rage est très profonde en eux-mêmes, là, puis qui ont fait des choses assez graves, tu sais, mm-hmm. puis... C'est pas pour leur pardonner, là, ou pour pas comprendre aussi la victime, là, qui, franchement, en a arraché aussi souvent. Exactement. À vivre au travers de ça, puis a subi des grandes douleurs. Mais seulement que je pense que si on avait plus l'opportunité de bien faire comprendre, en quelque part, le respect de soi-même, l'amour de soi, se redécouvrir, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de récidives qu'on peut en trouver aujourd'hui. Tu sais, parce que le deuxième roman... Même s'il est pris des brides un peu partout, puis oui. La création de mon imagination, c'est parce que quand tu développes des années dans le trou, tu vis dans l'imagination, tu es capable d'imaginer des choses. Mais c'est ça, là, le deuxième roman dénote un petit peu plus la récidive un peu. Okay. Puis on va s'en venir sur un troisième qui va amener. Et on a. Bon, là, Thierry, là, on va aller dans une phase de votre vie qui a été et qui est, je suis encore persuadé, excessivement importante. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un tournant de votre vie, la venue d'un enfant? Encore là, tu sais, je ramène tout le temps la même frustration, la même névrose, tu sais, au même manque de contact avec mon être. Oui, ça a été une vision merveilleuse, oui. C'est ce qui m'a permis de survivre, avoir un enfant. C'est ce qui m'a permis de m'accrocher. Mais jusqu'à quel point que je pouvais être en contact avec le vrai moi, avec le vrai amour, jusqu'à quel point j'ai blessé cet enfant-là par mes actions, par mon manque de présence, par mes retours en prison, tu sais. Ça se fait qu'en quelque part, quand j'étais dans ces situations-là, j'étais pas mal en vue de moi-même, centré sur mon nombril, tu sais. Parce que la souffrance, ça me faisait pas voir d'autres choses, tu sais. Puis j'avais pas encore eu l'habilité, puis la compréhension, puis le cheminement qu'il me fallait pour voir clair. C'était encore tout à l'intérieur. Ouais, tout ouais. Ça était là, ouais. Puis ça, tant que c'était, ça n'a pas été libéré, mais compris, c'était encore compris, si vous voulez, oui, exactement. Puis encore, j'ai bien du chemin à faire, là, mm-hmm. Tu sais. Mais en tout cas, là, je commence à en faire, je commence à voir clair dans moi au fur des années, tu sais. Puis cet enfant-là, oui, mais en quelque part, j'ai pas remis à la vie ce que j'aurais dû à cet enfant-là. Puis je l'ai sûrement blessé beaucoup par mon incapacité à démontrer de l'amour. Dans l'autre émission passée, vous avez, comme je disais tantôt, vous m'avez demandé pour avoir un petit temps d'antenne pour les personnes que vous avez blessées. Est-ce que votre fils est dans ce groupe-là? Ben, oui, il est dans ce groupe-là. Puis c'est un des. Écoute, tu peux pas dire que c'est un des éléments principaux. Les gens que j'ai blessés, je leur demande ça, pardon. Ils en font à partir de là ce qu'ils en veulent. Moi, j'essaie de me libérer de mes remords, ces choses-là. Puis oui, mon fils, il fait partie de ceux-là, mais lui, il est encore proche de moi. Il est encore mon fils. Puis. Là, j'ai plus le goût puis le devoir de même s'il a rendu un âge ce qui est autonome, de démontrer un peu mon amour puis de faire attention à lui puis d'être proche de lui. T'sais. C'est sûr que lui, c'est le pilier de ma vie. Ce que vous avez manqué?
ben, ce que j'ai senti. Quand, okay. Parce que des fois, nous autres, là, quand on est jeunes, là, les gens, là, ils font attention à nous autres. Hein, ils nous donnent à manger, ils nous changent de couche, ils crient après nous autres, toutes sortes d'affaires. Des fois, ils nous disent qu'ils nous aiment. Mais si on s'accroche plus auprès du sentiment d'avoir été pas aimé, rejeté, ben, on se sent pas aimé. Puis probablement que, tu sais, on reproduit, hein, on reproduit des comportements, on fait des scénarios, là, des qu'on s'aperçoit même pas, puis on, tu sais, mettons, dans l'amour, ça arrive souvent, ça, un gars rencontre une fille un gars, puis il te maltraite, puis on dirait pour, justement, essayer de gagner sur cette maltraitance-là, tu reproduis ça, elle s'en va, elle te quitte, elle t'aimera pas, là, tu veux qu'elle t'aime, elle t'aimera pas plus, là, parce que tu lifles les bottines, mm-hmm. Puis là, là, t'as fait ça, puis là, à un moment donné, ça a fini par l'enfer, grosse souffrance, peine d'amour, tu sais, tu sais pas comment démêler ça, ça fait mal, elle s'en va. Tu vas faire, tu vas reproduire ça, on reproduit nos comportements, tu sais, parce qu'on s'arrête pas à se regarder dans ça, puis à voir que c'était pas sain, là, dans quoi qu'on est, tu sais, c'est un peu similaire. Thierry, il y a un autre passage, parce qu'il y en a beaucoup dans vos deux livres, que, d'ailleurs, que je recommande aussi de lire. C'est vraiment, il y a des passages qui sont difficiles à lire, d'autres qui sont moins difficiles, mais je les recommande, les deux livres. Mais, entre autres, au fil des temps, je me suis mis à me sentir mieux à l'intérieur des murs qu'à l'extérieur. On en vient jusque-là. Il y a été un moment donné, je me sentais protégé par les murs, effectivement, oui. Dans quel sens vous vous sentiez protégé par les murs? Bien, c'est qu'on reçoit les informations de la télévision, des nouvelles, des journaux, puis il y a beaucoup de choses négatives hein, dans l'information hein, par rapport à la violence, par rapport aux guerres, par rapport aux abus de confiance politique, toutes sortes de patentes qui font qu'à un moment donné... Excusez. À un moment donné, les murs sont là, puis on a nos balises, hein, notre cadre, tu sais. Puis ça nous amène à avoir comme peur de sortir de tout ça, tu sais, pour aller à l'aventure, pour risquer, pour... Parce que là-bas, c'est pas bien dur, là. Mais c'est dur au point de vue liberté, souffrance. Mm-hmm, okay. Mais pour gagner ton pain, tu n'en as pas. Pour gagner ton loyer, t'as pas bien de trouble. Puis c'est des choses-là. Ça se fait qu'à un moment donné, tu sais, les besoins primaires sont comblés. Ça se fait que là, ça te rassure. Il y a les barrières qui sait que tu seras pas attaqué par on sait pas quel terroriste ou patente mm-hmm. oui. bizarre. Mm-hmm. Ça se fait que tranquillement, tu viens que tu développes ta routine, puis... Tu viens dans ton monde à toi, puis tu décroches totalement de la société pour t'enfermer en arrière des bourreaux. Fait qu'il vient un temps que vous êtes mieux à l'intérieur. Vous vous sentez plus en sécurité à l'intérieur ouais. qu'à l'extérieur. On ne sera jamais mieux sans sa liberté. On va toujours avoir oui, la boule sûr, de parce feu que là, intérieur. Oui, parce que vous n'êtes pas libre. Il est là la punition. Hein? Okay. La boule de feu là, qui se crée par le manque de liberté, ça, mm-hmm. ça veut dire que ça fait. Là, c'est comme on vit toujours, premièrement, avec une peur, un stress, un besoin de démontrer une image qui est beaucoup plus haute que ta vraie image. Puis ça fait en dedans une brûlure là, constante. Fait que le monde qui dit qu'ils sont bien, ben si t'es bien, t'es pas bien quand t'as une peine d'amour, ta blonde t'a laissé, puis la TV est flambant neuve, tu peux pas avoir plus, hein? Mais c'est la même affaire. T'sais, t'as bien beau donner un ordinateur puis des petites faveurs, mais s'il y en a dedans, la souffrance est là. Les autres est-ce affaires... Que... est-ce que, à l'intérieur des murs, Thierry, c'est très important pour le prisonnier, j'aime pas beaucoup ce nom-là, mais en tout cas pour... la personne incarcérée. Est-ce que c'est bien important de se montrer supérieur aux autres? Au moins, de se montrer, sans peut-être sans l'être, mais de se montrer supérieur aux autres. Bien, de dire que c'est bien important, je le sais pas, mais une chose que je suis pas mal certain de savoir, c'est quand, mettons qu'on me ramène encore au roman, ou on s'emmène à moins, disons au roman, mais c'est sûr que le personnage, là, moi, je mets un personnage là-dedans, là, je m'aimerais pas mettre ma vie au complet là-dedans pour, tu sais, montrer aux gens, là, que je suis pas un homme parfait, là, parce que ça prend quand même, pour passer le message aux jeunes, ça prend une espèce d'héros qui va passer dans les mentalités informelles, tu sais. Mm-hmm. Ça se fait que le roman, il est censuré par Rangépo, seulement que, regarde, des fois, je me perds quand je me glisse nerveux, hein.
Je suis pas habitué à la télévision. Non, mais regardez, ouais, c'est de se montrer, si c'était important, oui, de se montrer supérieur aux autres, okay. Mais c'est pas plus important certains, que ça. Pour certains, là, l'image, c'est l'image. Hein? Oui. L'image là, est bien, bien forte. C'est plus que l'image est forte, c'est plus qu'eux autres, ils se sont donné la condition, très, très difficile pour eux autres, de bien paraître, okay. Parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de ne pas être aimés. Ça se fait que là, ils mettent une image très, très forte. Puis l'image, là-bas, est, si tu as fait un coup plus gros que les autres, mais tu as une plus grande image. Si tu es dans une grande clique, tu as une plus grande image. Okay. Puis là, ben, c'est bien sûr que le besoin de reconnaissance est très fort quand tu es en souffrance. Hein. Mm-hmm. Ça se fait qu'effectivement, il y en a beaucoup qui vont se mettre une image très, très forte. C'est une manière de se protéger aussi. Il y a, dans un de vos deux livres, un passage qui m'a vraiment... qui m'a touché, puis je pense qu'il va toucher bien du monde aussi, c'est que racontez-moi comment votre mère vous est apparue pour vous inciter à venir à son enterrement. Ah. Mais ça, c'était une affaire assez magique. Là. Parce que aussi, j'ai d'autres choses en tête. Hein, que, parce que quand tu m'as dit qu'il y a des affaires qui sont très, très difficiles là-dedans, oui. Il y a une fille l'autre jour qui a lu mon roman, puis elle m'est revenue avec ça. Puis moi... C'est drôle, quand que je regarde moi avec ce que j'ai passé dans la vie, ce que j'ai vu, la misère humaine, que j'ai vu, la souffrance, on dirait que c'est pas si terrible que ça pour moi. Puis pour elle, ça a été très, très, très dur. Puis là, tu viens de me ramener ça. Oui. Puis oui. C'est drôle, ça me marque, ça, cette affaire-là. Oui, il y a des passages qui sont difficiles. Ça me laisse réfléchir. Oui, oui, il y a des passages dans les deux livres. Oui. Surtout les portes du silence, il y a des passages dans ça, là. Puis, ben oui, c'est le monde carcéral. Donc, on n'est pas dans un château à Las Vegas, là. Hein? On n'est pas là, là. Il y a des passages qui sont difficiles à lire, mais c'est bien que ça prend juste une personne qui est allant dedans pour faire des passages, écrire des passages de même. Moi, je pourrais pas écrire un passage de même, mais vous pouvez l'écrire parce que vous étiez à l'intérieur des murs. Oui, il y a des passages qui sont difficiles à lire. Mais je veux revenir sur votre... parce que ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. On recommence la question. OK, oui. Ça m'étonne. Non, mais je suis content qu'on ait fait une parenthèse parce que je ne suis pas le seul à avoir trouvé des passages difficiles. Le magique, c'est que, justement, je travaille avec un gars là, pour l'Adortoir, les itinérants à Val-d'Or. Puis lui, justement, il est surpris de voir la misère humaine. Tu sais, il avait comme lui sa petite job. Ah, c'est ça. Mais c'est quand on s'en va dans la misère humaine qu'on voit qu'il y en a puis qu'elle n'est pas drôle. Que, comme ça vous étonne, oui. Ça m'étonne. C'est ça, exactement. Oui. Bon, moi, je reviens, là. Comment que votre mère vous est apparue pour vous inciter à venir à son enterrement? Oui. Bien, c'est ça. Moi, écoute, j'étais libéré, là, j'étais sur libération conditionnelle, puis j'avais des problèmes dans ce temps-là, pas juste de boisson, de drogue, tu sais. Je prenais de la cocaïne, entre autres, là. Et puis, j'avais viré une saint sacrifice de bonne brosse, tu sais. Puis, justement, c'était bizarre, hein, parce que c'était tout un ensemble, tu sais. Moi, j'avais été juste libéré de la maison de transition, puis je restais chez ma cousine, tu sais, puis j'étais comme avec mes sacs verts dans la rue, là. Et puis là, ben elle m'avait fait un petit matelas à terre dans le coin de la cuisine, puis là, ben je couchais là-dedans, moi, puis j'étais quand même en sécurité, puis... Là, mais quand je suis arrivé, puis 10 heures du matin, sur un down de toutes sortes de patentes, là, moqué frosté, j'avais besoin de me coucher, de me laver un peu, puis de me reposer un peu. Et puis, juste en arrivant dans la maison, bien, je reçois un téléphone comme de quoi que ma mère vient de mourir. Fait que ma soeur qui m'appelle, elle me dit « Henri, veux-tu te ramasse? Je m'en vais. » Nous autres, on était loin, là, on était à Montréal, là, ça fait que ça donnait pas mal loin. Et ma mère était de Rouen. Ça se fait qu'elle dit « Embarque-tu? » Moi, j'étais assez magané de boissons, puis de coke, puis de down, puis de tu sais, que... Ah non, j'ai dit non. Dans ma tête, je vais y aller plus tard. Puis je me suis glissé dans le lit en regrangeant le téléphone, dans le petit lit dans le coin. Là. Et puis j'étais couché dans mon lit, puis tout à coup, Claire, comme je te vois aussi présent que ça, ma mère, elle m'apparaît, puis elle dit « Toi, je t'ai jamais rien demandé de ma vie. » Ben, elle dit « Aujourd'hui, je te demande d'être là. » Je te dis que les yeux m'ont ouvert, j'ai dégelé frette. J'ai appelé ma soeur Jean-Baptiste. On descend en Abitibi. Puis la magie que je voyais en descendant, je sais pas si c'était les espèces d'effets de restants de drogue ou quoi, mais sacrifice, je la voyais.
je voyais des gens l'accueillir comme dans un nuage, dans le ciel, tu sais. Puis ça avait l'air comme si c'était mon père qui dansait avec elle. C'était tellement fascinant, cette affaire-là, que c'est sûr que ça m'a aidé à commencer à me développer une spiritualité puis croire à quelque chose de plus loin. Puis ça, cette croyance-là, c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, je me sers de tout ça pour essayer de me retrouver, de plus trop faire de troubles, puis de survivre au travers de cette société-là, qui, pour moi, n'est pas toujours facile. Le temps passe tellement vite, Thierry. J'ai une question à vous poser absolument. Okay. On dit qu'en prison, on vit dans le passé et le futur pour oublier le présent. Est-ce que ça a été votre cas? Oui, c'est le cas. Mais pour oublier le présent, c'est inconscient. C'est inconscient. Moi, j'ai toujours vécu avec dans le futur pour pouvoir passer le temps. T'es dans le trou, t'as rien fait, t'as quatre murs, t'es couché sur une planche de bois. Qu'est-ce que t'as à faire? T'as couché, puis rêver un scénario. J'ai rencontré la belle au bois dormant, puis on se marie, puis on a une belle cabane, puis on a des beaux rêves. Puis dans le futur, tu sais, espérer nourrir. Sans penser trop au passé? Le passé, là, j'ai été très, très égocentrique là-dedans, tu sais. Les souffrances que j'ai causées, là, j'étais bien plus centré sur mon nombril quand j'étais là que de penser que moi, j'avais fait des gaffes. Mais je le comprenais pas parce que j'étais déplogué, tu sais. J'étais comme névrosé, j'étais déplogué avec moi-même. Ça se fait vraiment toucher à un remords et un regret. T'sais, c'est un névrosé qu'il y a là. Il y a une maladie. Là. Avant de terminer, on va dire aux gens, ceux qui seraient, qui voudraient, dans toutes les librairies, il y en a. Dans les librairies de l'Abitibi, comme celle-là, c'est okay. Moi qui les édite. Alors, okay. Alors je n'ai pas encore fini le okay. Québec, là, mais dans l'Abitibi, il y en a. Aux éditions HL, vous avez les Portes du silence qu'on va montrer ici et le Labyrinthe de l'enfer. Pas si je vais prendre un gros plein, oui. Alors, moi, je vous les conseille. C'est, comme je le disais tantôt, il y a des passages qui sont difficiles à lire, mais c'est écrit par un ex-détenu. Alors, lui, il sait de quoi il parle, il sait de quoi il écrit. Alors, moi, je vous les conseille. Les deux livres, c'est vraiment très intéressant. Thierry, est-ce qu'il y a un tome 3 qui s'en vient? Oui, le tome 3, j'y travaille déjà assez fort. C'est pas toujours évident d'écrire ça parce que ça a rapport avec aussi la réalisation un petit peu d'une vie avec la souffrance. Mais c'est quel beau voyage quand tu regardes ça de loin. Mais comment tu fais, par exemple, pour arriver puis te retrouver, là, te replugger là, ce que tu as déplugué là, pour pouvoir ressentir les choses pour être bien dans ta vie? Thierry, il faut que je vous arrête parce que je veux vous laisser au moins une minute là, pour okay. vous adresser aux jeunes. Tu sais, des jeunes, des fois, qui disent « Garde-moi, là, ma vie est finie. » Là. Vous êtes un exemple qu'on puisse en sortir. Alors, à peu près 30 secondes pour vous adresser aux jeunes. OK. Ben, pour la caméra qu'il y a là. Okay. Allez-y. Pas dire. Tu sais, moi, hier, j'arrive à une place où je suis un aide... C'est quand même une place ou de la psychiatrie, mais pour m'aider. Puis là, il y a un jeune qui est assis là, puis il me dit à moi, il dit « Hey Henri, il me connaissait, il ne le connaissait pas, j'étais content de voir qu'il me connaissait. » Il dit « Je suis fou, moi, mais il dit, mon petit gars, il dit, fais-toi-en pas. » Il dit, il y a des millions dehors qui sont fous, puis ils ne savent pas. Il dit, toi, au moins, tu as commencé à travailler sur toi. Tu as des chances de ne pas être rendu à mon âge pour pouvoir commencer à être bien puis être heureux dans ta vie. Tu sais, fait que ce que je leur conseille, moi, c'est d'essayer d'écouter, là, de ne pas penser qu'ils savent tout, puis d'essayer d'écouter les plus vieux là, qui ont tendance à lui donner des bons conseils pour que, tranquillement, pas vite, ils savent qu'ils sont des belles personnes puis qu'ils vivent bien puis heureux dans leur vie. Tu donc, pas s'en aller dans la marde puis faire toutes sortes de drogues pour brûler, pour étouffer la souffrance intérieure. Donc, on peut s'en sortir et vous en êtes un exemple vivant. Thierry, merci infiniment. Puis avec ces deux émissions-là, si on peut juste aider un jeune seulement, on pourrait dire mission accomplie. Puis un troisième tome, on va vous inviter à venir le présenter ici. Puis moi, la seule chose que je vous souhaite, c'est longue vie, puis du bonheur et du succès, Thierry, parce que vous le méritez bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis, je ne veux pas dire que tout le monde, c'est des fous. T'sais. Ah non, 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 absolument pas. L'éducation, des fois, elle amène une grande névrose sociale. Exactement. Fait que merci beaucoup, puis bon succès à vous, puis bonne chance dans la vie. Vous êtes une personne vraiment très remarquable et extraordinaire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Puis on se rendra à une prochaine émission. On se retrouve pour voir le monde.